Et salut à tous, c'est BMK31 et on se retrouve sur Team Team pour une nouvelle review. Et cette review, c'est la revue d'un joueur français qui joue à l'OM. Et c'est bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre, Dimitri Payet. On peut voir qu'il a 82 de vitesse, 85 de tir, 90 de passe, 73 de physique, 90 de dribble, 4 étoiles de mauvais pied et 2 gestes techniques. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire pause pour les stats détaillées. On peut voir qu'il a 86 en accélération, 85 en puissance de tir, 95 en précision, coup franc, 78 en réactivité, 93 en conduite de balle. Et je l'ai placé dans une équipe française constituée de Mandanda, Sidibé, Mathieu Demayo, Mendy, Cyprien, Payet, Tolisso, Coman, Gignac et Mbanyang. On va commencer par un objectif de like. 15 likes pour cette review, ça serait plutôt sympathique. Et son prix, pour le prix sur PS4, il vaut environ 50 000 et sur One et PC 55 000. On va commencer par son physique, 73 de physique sur la carte, 59 en agressivité, 79 de force. Franchement, à l'épaule, il résiste plutôt bien, on dirait qu'il a 85 de force et ça c'était plutôt sympathique. 76 en endurance, ça veut dire qu'il faut le mettre une carte forme tous les deux matchs et même au deuxième match vers la 70e minute, il était plutôt KO. 50 en détente, pourtant il fait plus d'un mètre 80, mais il prend très peu de ballons de la tête. Ce Payet, c'est vraiment un point faible sur ce Payet. Au niveau défensif, il a une contribution défensive moyenne, du coup il revient quasi jamais en défense. Pourtant il a une interception vraiment pas mal, même si dans les stats détaillés il a 40 en interception, mais on dirait qu'il a beaucoup plus au niveau ensuite des dribbles. Il a 4 étoiles de gestes techniques, du coup on peut faire tous les gestes ravageurs de fut et ça c'est plutôt sympathique pour un MOC. 4 étoiles de mauvais pied, mais son mauvais pied est vraiment horrible, on dirait qu'il a un mauvais pied à une étoile ou deux étoiles de gestes techniques, donc voilà, c'est horrible. Ensuite, au niveau des passes, il a 94 en effet, 87 en passe longue, 90 en passe courte. Ce Payet est exceptionnel sur les passes, comme en vrai. On sait que le Payet, en vrai, il fait des caviars et là, ça se ressent dans le jeu. Au niveau des coups francs, il a 95 en coups francs, alors que là, il récupère le ballon du match vu qu'il a mis 3 buts, il a 95 en coup franc, je disais, mais j'en ai pas eu, donc je peux pas vous dire s'il est bon ou pas. Au niveau des pénaltys, 82 de pénaltys, j'en ai pas eu, donc là aussi, je sais pas s'il est bon ou pas. Il a 90 en centre, 91 en vista, on va passer à la frappe et à la vitesse, 86 de volée, 90 en tir de loin. En tir de loin, j'en ai pas fait trop, mais les enroulés sont vraiment énormissimes du Payet, c'est cheaté à la mort. 85 de puissance de tir, mais on dirait qu'il a 95, il met de ses patates, c'est exceptionnel. 82 en finition, il a une très bonne finition, 86 en placement offensif combiné à une contribution forte au niveau de l'attaque, du coup il fait des appels à répétition et la vitesse, le dernier point, 86 en accélération, 78 en vitesse, il est très rapide, franchement ça m'a surpris du Payet. Du coup vous pouvez voir son ratio, 3 matchs joués, 6 buts, 2 passes décisives, ça veut dire qu'il est presque décisif 3 fois par match, c'est énormissime, c'est magnifique, on va pas sentir, c'est exceptionnel. Du coup, pour lui donner une note, je lui mettrai un 8 sur 10 à ce Payet. Et pour un fut champion, n'hésitez pas à l'acheter, il fera vraiment la différence. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à plus, ciao ciao.